Bonjour les enfants. Salut la famille. Coucou mes lions, coucou mes lionnes. J'espère que vous allez bien. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, 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 bien. Oui. Bonsoir à tous. Ferme ta gueule. Assieds-toi. Méliane, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Ça, c'est clair. Votre journaliste d'investigation est obligé de revenir. Parce que vous le savez, désormais, je l'ai souvent dit, le journalisme d'investigation, c'est la collecte des informations. C'est le traitement des informations avant la diffusion de ces informations. Ça, c'est clair. Regarde, regarde, regarde sa tête comme le plateau de la Damawa. Concernant l'histoire de la maman de Gloria ici et Sangou et consort, le dossier est tellement sale. Comment ça? Moi, je comprends rien. Tellement sale. Qu'est-ce qu'il faut parler? Beaucoup de têtes vont tomber. Ah? Qu'est-ce qu'il faut parler? Trop de noms doivent être cités. Qu'il faut parler? C'est trop sale, le dossier. Oui, il y a une touma entre eux. Aïe! Hein? Tu manques. Pourquoi elle va venir vous mentir? Ouais, venez! Il y a une touma. Quoi? N'importe quoi. Il y a une touma. Mais ta tête, c'est les pop-corn. Comme ce n'est pas l'argent de Lisette, c'est l'argent de la mère de Brenda. On n'avait pas fini avec Némi Brenda. On est arrivé à... Après, c'était qui? Ou Laetitia O. Après, c'était Lisette Njeng O. Maintenant, on est sur la mer de Gloria. Pause publicitaire. Les gars, pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire, conférence et tout le reste là, allez rapidement au complexe Las Vegas. C'est le seul complexe actuellement qui a 2 salles de fête VIP. Avec chaque salle, 10 climatiseurs. Les chambres classiques et VIP. 10 chambres classiques, 10 chambres VIP. Je vous assure que le complexe Las Vegas, c'est le paradis sur terre. Ok, continue. Et ça, c'est important de le dire ici. William Senou est distributeur digital. Et il a travaillé, il a monétisé les parges de beaucoup de célébrités au Cameroun. Qui ça? Fingo Tralala est passé par lui. Hein papa? Quincy Breezy, un milliardaire, est passé par lui. Hein? Manolap est passé par William Senou. Hein? Ulrich Takam est passé par lui. Tic Dengue, Nel Cruz et Doudouanon Glacé. Et la liste est bien longue. Donc je peux chier, je pisse sur ça. Tous ces célébrités qui sont passées par le travail de distributeur digital de William Senou. Alors, il a fait la proposition à Label, ils sont tombés d'accord, et Label a d'ailleurs proposé, a demandé, a supplié William de réaliser lui-même les contenus de la petite Gloria. Tu es sûr? Pourquoi? William a demandé, est-ce que tu es capable de me payer parce que ça va te coûter cher? Vous comprenez? Quitte-la! Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Tu es à Douala, moi je suis à Yaoundé, je dois me déplacer, je dois arriver à Douala, je dois... faire un gros boulot qui doit te coûter beaucoup d'argent. Je m'en sors pas. Ici au Cameroun, à prendre en charge 3-4 enfants comme ça, ce n'est pas facile du tout. C'est vrai. On s'est accordé, on a commencé le travail. J'ai mis le matériel. Parce que j'étais allé, on a déjà acheté le matériel. Quand j'ai mis le matériel par terre, mes chéris d'amour, on a commencé à travailler. Il venait à Douala travailler. Quand il venait à Douala, il était logé à mes frais. Ah bon? Alors, moi, je n'avais pas de problème de l'autre côté parce que je m'étais bien organisée. Je faisais les vidéos, je mettais sur le blanc. Et je faisais les vidéos, je mettais sur ma chaîne que William m'avait créée. Un bon matin, Monsieur William Senou me dit ceci. La belle, je te trouve très dispersée. C'est mieux que tu arrêtes avec le blanc. Et en plus, moi, je vais mieux être concentrée. C'est grave. Je lui dis que, tonton, c'est moi qui produis, non? C'est moi qui est actrice. Est-ce que c'est toi le problème? Point d'interrogation. Moi, s'il faut m'arrêter avec quelqu'un là, ce serait vous parce que quand vous venez, il y a le logement qui me prend. Quand tu vis avec les Beyoncé, les coups blacks, je vous loge, vous tous. Hey! Oh, maman. Est-ce que ça a un problème? C'est moi qui vais me plaindre et décider d'arrêter. C'est pas toi qui vas me dire d'arrêter. Ça me fait mal de découvrir un truc pareil. Ça fait mal. Il commençait à me demander d'arrêter avec le blanc. Je lui ai dit non, je ne peux pas arrêter avec le blanc parce que je ne veux pas me séparer comme ça avec le blanc. Ah, vraiment le Cameroun. J'ai remarqué
Le manque de respect a commencé à s'imposer sur mon plateau. Quoi? N'importe quoi. À un moment donné, Monsieur Williamson me fait comprendre que c'est son projet, vu même la façon qu'il se comportait sur le plateau. Il y a une touma. Ça veut dire quoi? Oui, il y a une touma entre eux. Hey! Vous comprenez? Oui. Oui, oui. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Vraiment, ce pays vraiment nous déçoit. Il faudrait que vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. Parce que vraiment, ce n'est pas normal. Continue. On essaie de trouver un terrain d'entente dans le back-back. Yannick a pris le temps de m'écouter, de dire je suis disponible pour qu'on discute. J'ai introduit la mère de Gloria dans la conversation. Pour finir, on s'est entendu. Vous comprenez? Mais quand tu contactes Sangou, le gars est tellement hautain. Ah? Tellement sûr de lui. Hein, papa? J'espère que l'histoire de Lisette, l'histoire de Brenda, l'histoire de la mère de Gloria va vous permettre, vous qui êtes sur la toile, de réfléchir et de ne pas tomber dans le même piège. Vous comprenez dans la compréhension? Moi, je vais interpeller les autorités, mais vous savez comment ça se passe dans notre pays. Quatre enfants! Vraiment, c'est malheureux! Mon petit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je m'interroge! Tu vas aller en prison, frère. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Tu racontes quoi, même? T'as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Tu vas aller en prison, frère. Oh! Ah bon? I'm gonna put you. C'est-à-dire? Je vais te mettre au frais. C'est même pas moi qui va te mettre au frais. Tu vas marcher toi-même, aller te retrouver au frais. Comment ça? Moi, je comprends rien. C'est mon agent. C'est moi qui a produit mes vidéos moi-même. Qui me donne mon agent et qui me donne mes vidéos. Je vous en prie, demandez à celui de me donner mon argent. Je vous en prie, la famille. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui là. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Seigneur, donne-lui son argent, mon frère. En vrai? Donne-lui son argent, mon frère. C'est souillant, hein? Non, c'est déçoyant, je suis déçu. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.